Top, c'est parti. Assalamu alaikum, attends, je me... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oussa Djané, depuis le QG de la DDR pour vous servir. Alhamdulillah, tout ce qu'Allah fait est bon et chaque jour que Dieu fait, ou encore chaque jour qu'Allah fait, dans le jargon des jeunes, on dit qu'il y a un nouveau dossier. Hein? Mais pour nous, ce n'est pas un dossier, mais chaque jour qu'Allah fait, il y a des personnes qui veulent se convertir à l'islam. Cela étant, nous, souvent, le plus souvent, on présente ces convertis-là. Et chaque fois même, j'allais même dire, chaque fois on présente les convertis. Le premier objectif d'abord, les autres personnes qui vont voir, ça va les motiver à se convertir à l'islam. Secondo, lorsqu'on demande des kits convertis, on a besoin de kits convertis, on a besoin de tapis de prière, nous sommes en rupture de stock et tout ça, la preuve est là, les convertis sont là. Et en même temps, la communauté musulmane aussi voit nos guides religieux, la communauté musulmane à travers le monde surtout. Parce que quelqu'un peut être aux États-Unis, hein, en Allemagne, un peu partout, il voit un peu le travail que la DDR est en train d'abattre dans le sentier d'Allah et il veut vouloir participer soit à la construction de la mosquée, soit voilà, à l'aide aussi pour les kits convertis. Donc quand il voit le travail abattu, ça l'encourage également. Mais tout ça est fait par la grâce d'Allah. Et même si on ne filme pas, Allah seul sait que ce que nous faisons avec sa grâce, Inch'Allah. Donc cela étant, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction d'un complexe islamique qui va encadrer les convertis, également les jeunes dans le domaine de l'interreligieux, voilà, ceux qui voudront bien apprendre ce domaine-là également. Parce que la construction va commencer bientôt. La construction, c'est très bientôt, Inch'Allah. Je reçois dans mon bureau ici actuellement, vous êtes quatre personnes, avec un autre frère qui lui est de l'autre côté, il décide de se convertir à l'islam. Et voilà, le frère qui les a envoyés ici est en train de faire un travail colossal à Cocody. Je peux même dire qu'il est comme le représentant de la DDR dans la commune de la Riviera, à Cocody, dans toutes ces zones-là. Parce que quelqu'un qui le fait et qui vous appelle, ah, Oustaz, vraiment, à travers vos vidéos, j'ai converti tel nombre de personnes à l'islam. À travers vos vidéos, j'ai montré vos vidéos à telle personne. Veut... Bon, on commence par toi. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Kaku Nyanko Johan Steve. Ça c'est le nom à l'état civil. Tu es chrétien à la base. Hein? Les familles sont chrétiennes aussi. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Et toi? Moi c'est Lilian Fouija François. Ça aussi chrétien, famille aussi est chrétienne. Oui. Et celui qui est derrière? Adjuda comme Justin. Justin aussi, pareil. Hein? Et l'autre? Davo Nestor. Nestor aussi, pareil, Inch'Allah. D'accord. Étant donné que vous êtes tous chrétiens, vous avez regardé nos vidéos et à travers le frère qui vous a encouragé. Et puis il y a une chose que vous devez savoir. En fait, Lui qui vous a encouragé à devenir musulman, il a une lourde responsabilité. Ça veut dire quoi? Le jour où vous le voyez dans maquis, là, ça veut dire qu'il vous a déçu même. Comment t'as-tu nous dit de devenir musulman? Peut-être dans maquis. L'église, il est capable de retourner. Tu vois, donc, c'est un peu de tout ça. Et vous êtes les bienvenus au bureau. Quand vous venez au bureau, c'est qu'ici, on vous remet les kits convertis. Et tu vois que les tapis, ça c'est que les tapis et puis quelques deux livres, c'est tout. Sinon, normalement, on devrait vous donner d'autres choses encore plus. Mais Inch'Allah, quand ça va venir, comme Kone vous a enregistré déjà, il est de l'autre côté de la régie, il vous a enregistré, on va vous appeler pour vous remettre. Parce que l'Amiara nous a contacté également. On va aller récupérer des bassins pour vous, en fait. Les bassins, ce n'est pas que parce que vous êtes converti ou bien parce qu'il y a bassin, vous ne saviez même pas qu'il y a bassin. Donc ça, il faut l'aider. C'est l'Amiara qui donne, c'est un vieux père. Il est à Trècheville, à Makori également. Lui, il est l'un des plus grands vendeurs de bassins en Côte d'Ivoire. Donc lui, il décide de nous donner des bassins, on découpe et puis on donne à chaque converti. Si la fête arrive, il porte, si voilà, les événements arrivent, il peut porter pendant la mosquée et tout. Lui, il donne ça gratuitement, il donne ça aux Allah. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, les autres personnes qui nous suivent à travers le monde payent les kits convertis, ils envoient, ils donnent l'argent pour acheter les kits convertis. Et quand ils voient les convertis, ça les motive encore. Et quand on leur montre aussi les convertis qui vont aller dans le site, disons dans l'établissement qu'on va construire pour aller se former. Imaginez vous êtes quatre et que vous venez dans notre école là pour venir apprendre l'islam, pour venir apprendre le bien fondé de l'islam. Vous allez pouvoir retourner auprès de chacun de votre famille, les parler de l'islam, le bien fondé de l'islam. Quelqu'un ne peut pas gâter le nom de musulman devant vous parce que vous l'avez dit non, nous on est musulmans et puis l'islam nous recommande d'obéir aux parents même plus encore, étant donné qu'on est converti.
Et quand on est converti, c'est ça, hein, il faut obéir aux parents, il faut les respecter. Même quand tu parlais à ta maman d'une manière arrogante, tu ne dois plus le faire parce que tu es devenu musulman. Même quand ta maman te parle ou bien ta maman te dit d'épuiser l'eau pour elle là, quand tu puises l'eau, tu viens, tu te mets à genoux, tu descends, tu te rabaisses un peu, tu lui donnes. Elle va regarder, attends, il y a quel problème? Non, je suis devenu musulman. Ah, c'est comme ça l'islam dit, oui. Le respect comme ça là, oui. Ah non, c'est qu'il faut dire à Junior, c'est qu'il faut dire à Henri, c'est qu'il faut dire à, tu vois, non? Ça peut charger encore. Mais si toi tu es devenu musulman, ton comportement n'a pas changé. Tu es tu dans la même gamme. L'islam ne recommande pas cela. L'islam dit de ne même pas dire fille à nos papas, à nos mamans, et de rester avec eux de façon convenable. Et tu dois dire, oh mon Seigneur, fais-les à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. C'est ce que le Coran a recommandé. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Vous levez tous l'index droit. Voilà. L'index droit symbolise l'unicité de l'éternel Dieu, parce que Jésus même a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voilà, Marc 12, 29 le dit, Moïse a dit dans Deutéronome 6, verset 4, surat 112 le confirme. Vous allez répéter après moi et puis c'est fini et on va vous donner plus de détails, qu'on va vous donner plus de détails, Inch'Allah. Donc on y va. Ashhadu. Ashhadu. Toi, on ne te voit pas, hein, viens comme ça un peu. Voilà, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas de divinité à part Allah, et Mohammed est son messager, Jésus-Christ est son messager, maman Marie est sa servante. Voilà, vous descendez l'index. Jésus-Christ, pour ceux qui sont musulmans et chrétiens, qui croient que c'est Jésus qui est Dieu, il n'est pas Dieu, c'est le messager de l'éternel Dieu. Pour ceux qui sont catholiques parmi vous, doivent savoir que Maman Marie n'est pas une déesse ou encore une divinité qu'on doit adorer. Non, Maman Marie est la servante de l'éternel Dieu Allah. Voilà ce que je pouvais dire. Kone, à ton honneur, le chahid est converti. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam. Voilà, comme le père Oustaz Gali l'a si bien dit, hein. Voilà, nous sommes en rupture de stock en ce qui concerne les kits convertis. Et voilà, le travail de tous les jours que nous accomplissons, n'est-ce pas, dans ce petit local ici. Et c'est ici le studio, comme Moussa Diané l'a dit. Donc, vraiment, qu'Allah facilite, Amina. Qu'Allah vous donne, n'est-ce pas, la bonne foi, Amina. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension surtout. Amen. Et à la prochaine. Inch'Allah, Ta'ala. Voilà un peu, on a mis un tapis chacun. Et puis il y avait un courant, on dit initiation au courant, il y avait ça, mais on n'a pas de courant en français. Si c'était des sœurs, il n'y a pas de voile. Si encore on a tout ce qu'on peut apporter aux convertis, voilà, vous serez vraiment, on vous sera reconnaissant et qu'Allah vous récompense également. Maintenant, pour nous contacter au plus 225 07 47 32 04 55. Les numéros sont en bas de l'écran, c'est mon numéro et celle d'Ismaël. Voilà, et 07 68 97 34 05. Merci beaucoup et à la prochaine.